Cenab-ı Hak'tan dinliyorum. Benim için öğretim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bir durum boyu bana ekleyip, bunu da bir durum istemem. Genel olup bir statüsü bir morum değil. Dikkatten, aktan bilimle bir organize ufak bir yolda değil. Bir de renk partini, dinledi. Benim manyet herkesin aklı değil, doğru bir ayı ver. Biz bilen bir takımı koyak herkese yerekliyor. Sevkut Kusel Masakal, Jero Jero Fali Yakamli, Rajan Yeni Kekua Bayer. Amin Ak Dinari Fahal. Pada bu jadi moy ñu xam ci ne ñeen ñu ko lé sé loxo ni ité wo afa ko bay la ñu né ni ci ñu ci ci ñu do ci ñu jaar ba ma naam ci ñu da ay am ci ay xolé dok ñu ñu nekké ni pour ñu xam né dañu yag ci jëf ci ci fo bay la ñu bëri na ñu ko mu na wax ñu ha mais fekk rek lu mel ni ko amé fon ak tan il y a des liens de choix. Pour pouvoir le choix, ça vous dit d'un modèle pour les modèles. Mini Gelman, je vais faire des liens de mon bonne édition. Il n'y a pas de lieu, du cadre, beaucoup de lieu. Il y a un cadre, édition et l'équipe. On a pas comme si tu as dit pour moi, il y a un de copain. Je vais faire des éditions, oui. C'est le cas pour nous. Tant de personnes libres dans la première du monde. Donc, vous venez, vous savez, vous avez pour célébrer la troisième édition de la Journée de l'excellence de l'Union pour le développement de Bayla, placée sous le thème l'impact qui est exercé sur les performances scolaires. Rassemblée en journée spéciale pour fêter l'excellence à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves de Bayla résidant à Dakar. C'est avec honneur et un immense plaisir pour nous, jeunesse bayloise, d'être présent ici dans cette salle avec nos parents pour magnifier la bravoure et la consécration de cette jeune génération de récipients espiandaires au regard plein d'ambition, d'abnégation et de réussite. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que l'école est au centre de toutes nos activités d'épanouissement. Et ce n'est plus un secret, comme disait l'autre, c'est le travail fait. Chers frères et sœurs espiandaires, à vous, s'il est vrai que la réussite est au bout de l'effort, nous vous exhortons à encore plus retourner d'effort, c'est-à-dire travailler sans relâche. L'on oubliera que nous sommes l'espoir de demain, mais il est à ne pas oublier que demain se prépare à partir d'aujourd'hui. Donc, sans nul doute, comprendre que l'avenir est une graine qu'on a semée dans le passé, qu'on a ouvert dans le présent pour en récolter les fruits dans le futur. La jeunesse bayloise participe dûment et fièrement au développement de Bayla. Et de là, je ne saurais terminer mon discours sans pourtant rendre hommage à notre frère Omar Koudiaby, qui, 5 ans en arrière, étions d'accord pour assurer la relève de la jeunesse cordiale. Gabi, comme nous aimons l'appeler habitueusement, était un homme multidimensionnel et sans façon, qui nous a quittés hélas à la fleur de l'âge. Enfin, permettez-moi aussi de remercier l'amicale des étudiants de Bayla, qui lors de la 22e édition des Journées d'excellence tenues du 11 au 13 janvier à Bayla, lui a rendu un vivant hommage. Et sans également oublier nos parents pour leur sacrifice envers nous, ainsi que pour ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette cérémonie. Merci infiniment de votre attention et que la fête soit belle. Par la continuation, la femme qui n'a pas été présente à débat. À la gagne, on va demander à ce qu'il y a de la catégorie Sakela. On a dit que vous avez
parce qu'il constitue la relève tant au niveau de la jeunesse, tant aussi au niveau de l'amical. Mais on collabore des sources d'exemple à aider. On ne peut pas dire un des. Si M. Sanyado, l'affaire est telle offre, Khadija, comme tel ministère, pour M. Sénalo, tel prix, vous commencez à appuyer, prenez une deuxième, vérifiez une troisième édition, un dégagement de la édition. Sans pour autant, on va continuer dans la logique des allocutions en donnant la parole au président de l'Union pour le développement de Bayel de la section de l'AGA, en l'occurrence M. Yaya Mane, pour son discours. Il est revenu, il est écouté. Mane, vous avez la parole. Une préparation au marché du travail.
à la vie en société et d'être capable d'utiliser les divers appareils. L'outil informatique permet la mise en place de stratégies pédagogiques fondées sur le développement de l'autonomie dans la construction des savoirs, des interactions entre élèves et des activités de métacognition. L'enseignant peut jouer pleinement son rôle de médiateur et adopter une posture réflexive vis-à-vis des difficultés d'apprentissage des élèves. Mais encore faut-il que les TIC soient employés correctement. En somme, les TIC semblent améliorer certaines connaissances, certaines aptitudes, ainsi que les comportements transversaux, particulièrement la motivation, le plaisir d'apprendre, ou encore dans un autre registre, l'estime de soi. En outre, la flexibilité, l'accessibilité de l'information, les modes de communication et d'interaction accrus, la variété des modes d'enseignement et d'apprentissage, et l'augmentation de la capacité de résolution de problèmes et l'utilisation stratégique métacognitive des élèves sont des éléments consignés dans par d'autres chercheurs et semblent faire consensus. Le TIC peut donc apporter une réelle contribution à l'individualisation des enseignants, à condition de les utiliser à bon escient et de façon adaptée. Un autre aspect positif, le fait que les technologies motivent les étudiants à être plus actifs dans leur apprentissage. Toutefois, l'utilisation abusive et sans contrôle des TIC est source de problèmes, d'inconvénients qui pourraient bloquer les performances scolaires des élèves. Par exemple, le fait d'avoir accès à l'Internet permet aux élèves de naviguer sur presque n'importe quel site. Ils sont généralement attirés par les loisirs, les vidéos, les films axés sur la violence. C'est pour cette raison qu'il faut mettre des limites afin que l'utilisation ne soit que pour l'éducation et l'apprentissage. Donc, chers parents, regardant sur l'utilisation de nos enfants, des moyens mis à disposition par les TIC. Je profite de cette séance solennelle pour féliciter tous les lauréats élèves qui ont réussi à leur examen et leur souhaiter un succès éclatant pour la suite de leur cursus scolaire. Je félicite également les nominés des diplômes d'encouragement, de remerciement et de reconnaissance. Je suis ému d'honorer ces personnes qui ont beaucoup investi, non seulement pour l'épanouissement de notre communauté à Dakar, mais aussi leur participation au développement de notre cher Bayer. Je leur dis un grand merci. Certains sont là dans cette salle, d'autres sont absents pour diverses raisons. Nous avons également sur cette liste de valeureuses personnes qui nous ont malheureusement quittés. Que Dieu le Tout-Puissant les accueille dans son paradis. L'esprit d'excellence et l'exigence de qualité que nous traitons ici font partie des traits de caractère du parrain de cette édition. Le distingué professeur et respecté, M. Alassane Diouf, appelé Sal. Professeur des universités et vice-directeur chargé des études et de la vie de l'université chef de l'université Assansec de Gigenchon. Il nous a honoré en acceptant d'être le parrain de la présente cérémonie. Cela témoigne éloquemment son attachement à l'UDD, dont il était un des membres les plus engagés quand il était à Dakar. Il était également un des membres fondateurs de l'Amicale des étudiants de Bayer en 1928. En acceptant de parrainer cette cérémonie, il matérialise une fois de plus son élan de soutien à toutes les actions orientées vers la culture du mérite et de l'excellence. Nous souhaitons par conséquent que les élèves s'inscrivent dans son parcours pour la suite de leur carrière. Monsieur le professeur Alassane Diouf est assurément une fierté pour le Sénégal et pour Bayer.
que Dieu, dans sa miséricorde, lui procure la santé et la paix, qui lui donne une longue vie et exauce tous ses souhaits. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter le comité de pilotage coordonné par M. Lamine Abakapoli pour cette belle organisation. Mesdames, Messieurs, je souhaite à tous et à vous une bonne et heureuse année 2019. Merci pour votre aimable attention. Nane omu de sabu na safu unafana kajalu tati buruki kuseka kampa ya kufana kata lelorea kata tuku jubete tuku kunyoli uwasa makubaji kibura kama kukana na safu le comité d'organisation. Na salle je ne sais pas là. Y a pas une initiative qui a carré. Dès qu'à encourager pour nous là pour manquer femme manquer roquet, manquer qui est sous les belles rêves. Il peut y avoir pas de lire ou discours et la bonne la manne il a bouillon les manne comme hein on est bien dit. Monsieur le président de l'UDD à Dakar, Monsieur le président de la section de caisse, Madame la présidente des femmes de l'UDD à Dakar, Monsieur le président de la jeunesse cordiale de Baïla, Monsieur le président du comité préparatoire, chère maman, cher papa, chers frères et sœurs, chers invités en titre, grade et qualité, c'est avec un très grand regret que je m'adresse à vous. Je devrais être parmi vous à cette cérémonie solennelle de distribution des prix aux élèves du village de Baïla. Malheureusement, mes charges administratives m'ont contraint à ne pouvoir faire le déplacement de Jigenchor à Dakar. Ce fut un très grand plaisir d'être choisi comme parrain de l'édition de 2019. Étant membre fondateur de l'ADEP, il était de mon devoir d'encourager la jeune génération dans la promotion de l'excellence au niveau de nos jeunes frères et élèves. Permettez-moi de présenter brièvement mon cursus. Après l'entrée en sixième, je suis admis au lycée Diabo en 1977-1978. J'ai obtenu mon bac série C en 1984, après avoir réussi le cap de la première partie du bac en 1983. En 1984, je fus le premier lauréat au concours général de mathématiques de la série C. Depuis lors, le lycée Diabo n'a plus connu de lauréat en mathématiques. J'ai poursuivi mes études supérieures à l'Université de Dakar en mathématiques et physique. Mon second cycle est sanctionné par une maîtrise de mathématiques appliquées. La situation de l'encadrement à l'époque à l'Université de Dakar ne me permettait pas de poursuivre un troisième cycle. L'attribution de bourses étrangères était quasi inexistante. J'ai dû interrompre mes études pour rechercher des moyens, ce qui m'a amené en Côte d'Ivoire, où j'ai exercé pendant 2 ans comme professeur de mathématiques. Ensuite, j'ai été admis au DEA de probabilité statistique analyse numérique de l'Université de Rouen en 1992-1993.
Après le DEA, j'ai été admis à l'école doctorale de l'Institut Galilée de l'Université Paris 13. Et j'ai soutenu ma thèse de doctorat en juillet 1998 en probabilité. Je suis rentré au Sénégal et engagé au département de mathématiques de Dakar comme assistant. Sur la base de mes travaux de recherche, j'ai été admis successivement aux trois grades du CAMES, Centre africain et malgache de l'enseignement supérieur, maître assistant, maître de conférence et professeur titulaire en 2011, 2008 et 2018. J'ai occupé successivement les fonctions administratives suivantes. Chef du département de mathématiques 2007-2010, directeur de l'UFER des sciences et technologies 2010-2016, vice-recteur chargé des études et de la vie de l'université depuis octobre 2017. Au regard de ce parcours, je vous dis que rien n'est facile dans la vie, seul le travail paye. Dans ce monde à forte concurrence, tout un chacun doit œuvrer pour être parmi les meilleurs. Aujourd'hui, les formations en STEM, sciences techniques et mathématiques sont les plus revalorisées car tous les gouvernants et les organismes internationaux AIF, UNESCO mettent beaucoup moins pour soutenir les apprenants dans ces filières. C'est pourquoi j'encourage les parents et vous, membres de l'ADEM, à soutenir les enfants s'orientant dans les séries scientifiques. Car aujourd'hui, la découverte du pétrole et le développement exponentiel des TIC, des métiers pourvoyeurs d'emploi sont ceux des séries scientifiques. Chers frères de l'ADEM, le village de Baïla s'est toujours distingué parmi par la qualité de ses cadres supérieurs. Nous avons le devoir de maintenir ce cap. Pour ce faire, je vous prie de réfléchir sur un projet d'encadrement des jeunes de l'élémentaire au secondaire, afin que chaque année, au moins un élève de Baïla intègre l'école d'élite du Sénégal. Maria Maba, école britannique militaire, lycée scientifiques urbaines, etc. ou réussissent aux compétitions nationales ou internationales. C'est un pari très ambitieux, mais atteignable. Avant de terminer mon propos, permettez-moi, chers invités, de m'adresser aux lauréats. Je vous adresse toutes mes vives félicitations. Vous faites aujourd'hui la fierté de vos parents, de vos amis et voisins. Le parcours est long. Persévérez dans l'effort pour viser le plus loin possible dans les études. Je termine en félicitant tout le comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour réussir cette cérémonie. Je remercie tous les partenaires anonymes qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. Aux sages, je vous prie de continuer vos prières pour la réussite de nos enfants. Je vous remercie de votre attention. Merci, Kala Lakiel. Mais je vais vous dire que les séries scientifiques
nani jatte kankan nan ko enomi so enomi kanyum bu ko mulé tuddu pétrole yam ngandé ñaté tam mani bene automatique suñu ci le paré suñu ci num apérano lo la adam mo ñaan nani si sé fang pétrole yam ngandé ñaan nani ya ko kankan nan confirmation yéti découverte yam kanya vraiment kabura ak ya de keuy jure beté e baji na fay xamane tariya kankan le série scientifique les tuyaux non di kala ni ra ko lemu bari na tariya ro ro ñam e jali ismu zum am parana re sare am parana re lero am parana ra yo bari rafa mari tariya am yo ge donc on ané série scientifique ko so ma ci tariya on ngopi ka wonor e se non la tuy ban bi la lay ñess ka du même projet be ka encadrer kunyi la kati bayla nane man kakayi man mo le do wadi ati ci so se ko la sal man mo ni seul ke sa dakar man ya ma pa britanne militaire ici kel in ni wadi ati ni ko la kambo na no mo resse no la li yo no re kiliya man bila ben ka man djume na projet kiliya ya ti be e ka e kunyi la man mo le kuri mo ko kunyama nane kam ya ese ne kam na nya ese ne ya le kunyai dona bi lekkel ba mu nané ni ko sof ya parce que ko ma ni ma ki ko ya ya ka re ko ba ja ko li mais ko ya ka re ko ba ni buru o mu re sali o mu re ni ma ni ko sof ya e fu ja fu le ni ko han ken ma ko sof merci ya abale ko merci Monsieur Sarek, représentant du Bénin, pour ces belles paroles et témoignages et le discours en cours de la part du Bénin. Histoire d'agréer, une journée agréable, discours du Bénin, les gens commencent à s'éveiller. On va juste introduire un jeune artiste. Moi, là, quand la prestation est dite, on va passer à la deuxième étape, qui réalise les diplômes de reconnaissance. Remerciement et encouragement. Et comme pour la parole, ton père est souri. Allô? Avant tout, y remercier vraiment même sur l'inéctif. Merci pour ce magnifique travail. Réunion pour le développement de Baïla. Vous êtes en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Bien sûr, moi, il y a la montre de devoir. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation est la formation de la nouvelle génération pour la construction de notre nation. Directeur Foucault-Yenny Dagelé. L'INUBI pour excellence, pour développement et pour éducation. Alors, Rémi Tchad, qui sont là, nous sommes aujourd'hui pour participer, mais pour t'aller à l'Europe. Il y a une fête de l'INUBI, concours en finale, concours talent d'or, et il y a une deuxième série. Et nous sommes pour participer au nom de Baïla, au nom de Chien Sol, au nom du Sénégal. Avec une voix exceptionnellement mireuse, il est talentueux, il est fort, il est intelligent, il est juste exceptionnel, hyper méga chic à forme et véritablement magnifique. Il se nomme tout simplement Soliba.
que je vais vous dire. Mais pour tout le monde, ça. Ndaysan. C'est le tien, 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 le des diplômes de reconnaissance. Nous devons brutalement tout distribuer dans ces étudiants. Salut Dédou. Professeur Yaya Boudian, où sont les représentants? Abdelfi Nicoli. Abdoukarim Boudiabi, Ali Diaye, son représentant. Merci. La vie Joël, ou la Lully, manque de cap. Et il y a un peu de temps pour aller à l'étape de la vie à la vie à la à la salle de prix, on a représenté, on a joué. Je suis Kouyabi, Saline Giri, Gimouna, professeur Yaya Boudian, Abdi Philippe Koli, Abdou Karim Kouyabi, Adama Boudian, deuxième panel, le panel de la deuxième édition de la remise de prix. Et pour El Hadjimou, l'ancien directeur de l'école Baïla, de l'école primaire de Baïla. Nous rappelons juste par référence que c'est remerciement, j'ai eu de notre remerciement, si on a adressé notre ancien lauréat, dernier par là, Abdou Gorin Bonian. Je suis un peu plus de temps. Manuka Nagamoui, le professeur Yaya Boudian, dans la copain, a dit le couloir du peuple Lamine Diouf, et a dit tout Fili Koli, et Abdou Karim Kouyabi. Boukakou,
kan man ko ne ko du kana ni ka ke pare di ceremony we nya ay mona nya ja isa di le feu et la jeu mo di adama ko nya ajum nya ka te nya ko bay la ko mi la mine la mine bien grave. Donc, pour qu'il y ait un colonia, je vais vous dire que vous avez dit que c'était pas un cas de cérémonie sur la semaine. Sauf qu'on a été calé pour y aller. En moral, à vous pour le. Aku bimbing sendiri. Jujur, kita orang di bawah. Aku bimbing sendiri. Kali ni lekat di nak poli. Si dat manusia nol sendiri. Amjara. Unen di kuda. Nah, nak kongkong saya di bimbing nol tadi. Le premier. On prend le premier. On prend le premier.
alhamdulillah wallahi ya ba les photographes, 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 les photograph